C'était l'une des affiches les plus attendues de cette 23e journée entre Grenoble 4e et Caen 6e. Duel d'ambitieux pour les playoffs, voire plus. Depuis l'arrivée de Nicolas Seup sur le banc, les Malherbistes ont pris 17 points sur 21. Aucune équipe ne fait mieux sur la période. Les Grenoblois sont prévenus et livrent une première période solide. Nestor ouvre le score à la 36e. Puis Pape Meissaba sur pénalty porte la marque à 2-0 dans les arrêts de jeu du premier acte. Au retour des vestiaires, l'attaquant sénégalais va signer un doublé pour le 3-0. Son 10e but, son 4e doublé depuis le début de la saison. Une performance qu'il avait déjà réalisée lors du match aller à Dornano et la victoire 2-1 des Grenoblois. Révélé au Red Star dans le championnat national en marquant à 21 reprises, l'ancien de Dakar avait seulement trouvé le chemin des filets à 2 reprises la saison dernière. Cette saison, il surfe sur une réussite avec la confiance de son coach Vincent Ognon et sur ses partenaires. Pape Meissaba sera l'atout majeur du GF38 pour tutoyer les sommets. Grenoble s'impose finalement 5-1 avec une 3e place à la clé.